C'est bon. Oh, ouais. Génial.
Jody.
Moi, une bonne journée, c'est quand on ne se couche pas. Notre ferme ne paie pas de mine, mais c'est mieux que rien. Ouais. Je peux pas dire que j'adore Good Neighbor. Il n'y a que des problèmes ici.
Je ne sais pas trop ce qu'il me reste. Vous avez un air dangereux, vous. J'espère que ce n'est pas à moi que vous en voulez. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu les ongles propres. L'agriculture, c'est un travail honnête. Oui. Vous avez entendu ? Vous avez entendu parler de cette ferme tenue par des ghouls ? C'est dingue, non ?
Salut. Je sais pas qui tu es, mon chou. Mais tu ferais mieux de te barrer avant que je me détraque et que je t'atomise. Eh, du calme. Je veux simplement parler. Bah voyons. Tu cherches juste des synthétiques pour tailler la bavette, c'est ça ? Calmez-vous. Dites-moi ce qui se passe. Ils utilisent quelque chose pour nous contrôler. Pour nous faire faire des trucs qu'on ne veut pas. Je pourrais envoyer un signal n'importe quand. Ou alors, il suffirait que je vois une certaine couleur ou je sais pas quoi. Et d'un coup, boum, un imbécile de moins. Bon, tu te bats ou t'attends qu'il m'ordonne de te tuer ? Vous voulez pas baisser votre arme ? Ce serait plus agréable pour discuter. D'accord. Mais je t'ai à l'œil, je te préviens. Tu voulais voir un synthétique ? C'est fait. Tu peux t'en aller, avant que je te fasse du mal. Vous ne me dites pas tout. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une synthétique ? Tu prends des risques en restant ici à me parler, mon chou. Enfin, si ça peut te faire décamper, finissons-en. Depuis la mort de ma fille, je vivais seul avec Samuel, mon petit-fils. J'ai réussi à nous faire intégrer une ferme. J'ai sué sang et eau. Mais ça nous a permis de survivre. Une nuit où je montais la garde, j'étais assise avec mon flingue sur les genoux, en surveillant la colline, et je crois que je me suis endormie. Je ne sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée d'un coup, en entendant un coup de feu. Samuel était à mes pieds, et il y avait du sang partout. Je sais que c'est difficile pour vous. Continuez, s'il vous plaît. Il n'y a rien d'autre à dire. Les autres sont arrivés, en courant. Il n'y avait que Samuel et moi. Pas de pillard, pas d'artilleur. Juste du sang. Il était là. Et l'instant d'après, il était parti. Ses petits doigts qui m'agrippaient la main. Et c'est de ma faute. Tu n'as pas idée de ce que ça fait. J'ai vu quelqu'un tuer ma femme et enlever mon fils. Et je n'ai rien pu faire. Je sais très bien ce que ça fait. J'espère que tu le retrouveras. La famille y accepterait dans ce foutu monde. Enfin, j'imagine que c'était pas vraiment mon petit-fils. Ils doivent m'avoir implanté ces souvenirs. Qui pourrait faire une chose pareille à la chair de sa chair ? Bref, tu sais maintenant ce que je fais là. Et pourquoi tu dois partir avant qu'il me fasse tuer quelqu'un d'autre ? On peut pas me faire confiance. Vous êtes peut-être une synthétique, mais vous pouvez toujours changer. Tu comprends pas, mon chou ? Je suis trop dangereuse. Je finirai par faire du mal à quelqu'un. Les miliciens ont besoin de gens compétents. Ça ne ramènera pas votre petit-fils, mais vous pourrez peut-être aider d'autres gens. Tu voudrais de mon aide, malgré ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Écoute, je m'excuse d'avoir braqué mon flingue sur toi.
Je crois que tu as raison. Il faut que je trouve le moyen d'accepter ce qui s'est passé. Je ne peux pas fuir mon passé éternellement. D'accord. Fais ce que t'as à faire et fous-moi le camp. Et surtout, ne va pas fourrer ton nez dans mes affaires.
Ça y est. Génial. Ça y est. Jolie.